Moshe rassemble toute la communauté des Bénéi Israël. Il leur dit « Voici les paroles que Adonai a ordonné de faire. 6 jours, tu feras l'ouvrage. Le 7e jour sera pour vous consacré. Shabbat Shabbaton pour Adonai. Tout faiseur d'ouvrage mourra. Vous ne brûlerez pas de feu en toutes vos demeures le jour du Shabbat. » Moshe dit à toute la communauté des Bénéi Israël pour dire « Voici la parole que Adonai a ordonnée pour dire « Prenez de chez vous un prélèvement pour Adonai. Tout cœur gratificateur le fera venir. Le prélèvement de Adonai, or, argent, bronze, indigo, pourpre, écarlate de cochenille, lin, poil de caprin, peau de bélier rougie, peau de dugon, bois d'acacia, huile pour le lustre, aromates pour l'huile de messianité, pour l'encens, des pierres d'onyx et des pierres à sertir pour l'éphode et le pectoral. Tous les sages de cœur parmi vous, qu'ils viennent et fassent tout ce qu'a ordonné Adonai. La demeure, sa tente, son couvercle, ses agrafes, ses piliers, ses traverses, ses colonnes, ses socles, le coffre, ses barres, l'absolutoire, l'écran du rideau, la table, ses barres et tous ses objets, le pain des faces, le candélabre du lustre, ses objets, lampes, l'huile du lustre, l'autel d'encens, ses barres, l'huile de messianité, l'encens d'épices, le rideau de l'ouverture, pour l'ouverture de la demeure, l'autel de la montée, sa grille de bronze, ses barres, tous ses objets, la vasque, son assise, les panneaux de la cour, ses colonnes, ses socles, le rideau à la porte de la cour, les piquets de la demeure, les piquets de la cour, leurs cordées, les habits de cérémonie pour officier dans le sanctuaire, les habits du sanctuaire pour Aaron, le desservant, les habits de ses fils pour desservir. Toute la communauté des Bénéi Israël sort en face de Moshe. Tout homme que porte son cœur vient, et tous ceux dont le souffle gratifie font venir le prélèvement de Adonai à l'ouvrage de la tente du rendez-vous, pour tout son service et pour les habits du sanctuaire. Viennent hommes et femmes, tout cœur gratificateur. Ils font venir boucles, narinières, bagues, breloques, tous objets d'or et ce que tout homme fait balancer d'un balancement d'or pour Adonai. Et tout homme avec qui se trouve indigo, pourpre, écarlate de cérambix, lin, caprin, peau de bélier rougi, peau de dugon, ils les font venir. Tout leveur de prélèvement d'argent et de bronze le fait venir avec le prélèvement pour Adonai. Et tous ceux avec qui se trouvent des bois d'acacia pour tout le service de l'ouvrage, ils les font venir. Toute femme sage de cœur file de ses mains. Elles font venir du fil, l'indigo, la pourpre, l'écarlate de cérambix, le lin. Et toutes les femmes que leur cœur porte avec sagesse filent les poils de caprin. Les nassis font venir les pierres d'onyx, les pierres à sertir pour l'éphode et le pectoral, l'aromate et l'huile pour le lustre, pour l'huile de messianité et pour l'encens d'épices. Tous, hommes et femmes, que leur cœur gratifie de faire venir à tout l'ouvrage que Adonai ordonne de faire par la main de Moshe, les Bénéi Israël font venir une gratification pour Adonai. Moshe dit aux Bénéi Israël, « Voyez, Adonai a crié le nom de Betsalel ben Uri ben Hur, de la branche de Yehuda. Il le remplit du souffle d'Elohim en sagesse, en discernement, en pénétration et en tout ouvrage, pour penser des pensées, pour ouvrager l'or, l'argent, le bronze, dans l'artisanat de la pierre à sertir, dans l'artisanat du bois, pour faire tout ouvrage de pensée.
il donne à son cœur d'enseigner. Lui est Oholiab ben Ahisamac, de la branche de Dan. Il les remplit de la sagesse du cœur, pour faire tout ouvrage d'artisan, de tisserand, de brodeur d'indigo, de pourpre, d'écarlate de cochenille, de lin, de tisseur, faiseur de tout ouvrage, penseur de toute pensée.